Bah bien sûr, ouais, la Ronde des Lézards, c'est une course que dans un calendrier, on la regarde et on la met pas là par hasard, quoi. Donc c'est vrai que c'est, voilà, c'est une belle course et je pense qu'il y a beaucoup de coureurs aujourd'hui qui attendent beaucoup de cette Ronde des Lézards parce que voilà, quand on regarde le palmarès de la course, tout le monde a envie d'inscrire son nom derrière des grands champions, quoi. La Ronde des Lézards, c'est une course référence pour les espoirs et de référence aussi pour les éventuels recruteurs professionnels, puisque c'est une course qui est très regardée, à l'instar d'un Liège-Bastogne-Liège, d'un Paris-Roubaix. C'est des courses qui comptent dans une saison, et donc c'est, je pense, toujours bien de bien y figurer. Ouais, pour moi, c'était un grand rendez-vous de la saison amateur. Voilà, je pense qu'il est regardé attentivement aussi par les managers et les recruteurs, parce que souvent de très bons grimpeurs en émergent et qui souvent confirment au plus haut niveau international. Et je pense que le palmarès est éloquent en ce sens, que ce soit les vainqueurs d'étape ou les vainqueurs au classement général. Donc non, c'est une course importante et surtout voilà, qui est maintenant bien ancrée dans le calendrier amateur grâce à une organisation qui est, voilà, malgré un budget certes limité, qui est très professionnel et que je prends plaisir à suivre même si j'ai plus l'âge d'y participer.